Expérience avec bobine plus résistance en série sur un générateur de signal alternatif sans prise de terre. Voici la bobine, branchée en série avec la résistance. La bobine fait 1,4 mAh. La résistance fait 330 ohms. On va regarder ce qui se passe en fonction de la fréquence au niveau des tensions qui seront aux bornes de la bobine et aux bornes de la résistance. Pour ça, je prends l'oscilloscope. Je branche mes deux sondes comme ça. Le ground de mes deux sondes, je viens le brancher ici entre la bobine et la résistance. Ça sera ma masse commune pour l'oscilloscope. Et puis la sonde de signal de la voix 1, je viens la brancher là. Et la sonde de signal de ma voix 2, je la branche ici. Et comme la sonde positive de la voie 2 est ici, elle va être inversée par rapport à la voie 1. Donc ma voie 2, je viens bien l'inverser au niveau de mon réglage de l'oscilloscope. Donc je vais inverser le signal de la voie 2 sur l'oscilloscope. Je vous montre la breadboard. Ici, j'ai la bobine. Ici, la résistance. Ici, j'ai les deux fils d'arrivée de mon générateur de signaux. Ici, j'ai ma première sonde d'oscilloscope. Et ici, ma deuxième sonde. Ici, j'ai mon générateur de signaux. Là, je suis sur une fréquence de 1 kHz. Je vais commencer à partir de 1 kHz. Et ici, j'ai la sortie de mon canal 1 que j'envoie sur la breadboard. Je vais faire varier les fréquences en les faisant monter progressivement. Et on va regarder ce qui se passe au niveau de l'oscilloscope avec nos deux signaux. Sachant que celui qui est aux bornes de la résistance, sur l'oscilloscope, il faut bien penser d'inverser le signal. Alors, voilà ce qui se passe au niveau des courbes. La courbe aplatie, c'est la courbe de la tension aux bornes de la bobine. Et la courbe qui a plus d'amplitude, c'est la courbe de tension aux bornes de la résistance. Ben, c'est normal. On est sur une fréquence, je rappelle, de 1 kHz, qui est relativement bas comme fréquence. Eh bien, ça veut dire qu'à relativement basse fréquence, la bobine n'oppose que très peu de résistance au courant. Donc, son impédance est très faible. C'est pour ça que la tension à ses bornes est très faible. Et du coup, comme les deux éléments sont montés en série, eh bien, aux bornes de la résistance, on a plus de tension. Sachant qu'au niveau de la résistance, la courbe de tension donne aussi la courbe d'intensité de courant, puisqu'il n'y a pas de déphasage entre courant et tension aux bornes d'une résistance. Alors maintenant, je vais augmenter la fréquence du générateur de signaux. Et vous allez voir que plus la fréquence va augmenter, plus la tension aux bornes de la bobine va augmenter, et la tension aux bornes de la résistance, à l'inverse, elle va diminuer. Là, je passe à 2 kHz. 3, 4... 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc on voit que la résistance aux bornes de la bobine augmente. Je vais changer l'échelle de l'oscilloscope pour qu'on voit mieux la forme des signaux. Voilà, donc là on a la tension aux bornes de la bobine et ici la tension aux bornes de la résistance. Sachant que là j'envoie un signal d'amplitude de 5 volts et que je suis sur une échelle de 1 carreau égale 1 volt. Donc ça veut dire qu'aux bornes de la résistance, j'ai plus 2 volts, moins 2 volts. Et aux bornes de la bobine, plus 0,5 volts, moins 0,5 volts. Et c'est intéressant de remarquer que les pics de tension sont décalés, c'est-à-dire que le pic de tension aux bornes de la résistance ne se fait pas au même moment que le pic de tension aux bornes de la bobine. Il y a un léger déphasage, donc ça c'est normal. Allez, maintenant je continue d'augmenter la fréquence. Donc là je rappelle, je suis à 10 kHz. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21... 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. On voit qu'à 30 kHz, on a presque la même tension aux bornes de la bobine et aux bornes de la résistance. Je continue de monter. Et on va voir à quelle fréquence les deux courbes de tension sont identiques. Et ben voilà, à 43 kHz, mes courbes de tension sont identiques. Et on voit bien aussi le déphasage. On voit bien que les deux n'ont pas leur pic de tension au même moment, mais il y a un léger déphasage. Je vais changer l'échelle. Voilà. Là, on voit très bien le déphasage. Et on voit qu'à partir de 43 kHz, on a nos deux amplitudes qui sont égales. Donc là, si je continue à monter en tension, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien maintenant, la tension aux bornes de la bobine va dépasser la tension aux bornes de la résistance. Plus je vais monter en tension, plus la bobine va s'opposer au passage du courant, plus son impédance va augmenter. Donc plus la tension à ses bornes va augmenter. Et donc du coup, plus la tension aux bornes de la résistance sera faible, parce qu'il y aura de moins en moins de courant qui pourra passer dans le circuit, parce que la bobine va s'opposer de plus en plus au courant alternatif. Allez, j'augmente la fréquence.
Voilà, maintenant, la courbe de tension aux bornes de la bobine est supérieure à la courbe de tension aux bornes de la résistance. Et ce qui est intéressant de remarquer, c'est qu'ici, je suis à 292 kHz, et c'est là que le signal aux bornes de ma résistance est le plus faible, parce que le signal aux bornes de ma résistance, c'est celui-là. Ça, c'est le signal aux bornes de la bobine. Donc, je remets les deux. Et si je continue à monter en fréquence, eh bien là, il y a un phénomène étrange, c'est que la tension aux bornes de la bobine va commencer à baisser, et la tension aux bornes de la résistance va réaugmenter. Et vous voyez, en continuant de monter, eh bien, les deux signaux se rapprochent. On va de nouveau trouver un moment où les deux signaux auront la même amplitude. C'est aux alentours de 3 MHz que mes deux signaux ont cette fois à nouveau la même amplitude. Donc pour conclure, on peut dire que cette bobine, elle a son impédance maximum aux alentours de 300 kHz, parce qu'on voit que c'est là que son signal de tension est le plus fort, et le signal de tension aux bornes de la résistance est le plus faible.